C'est Brad, sur toi pour une nouvelle vidéo sur Nid sur Watch Josh, Dogs j'ai 2 compris, dis-moi que t'es pas à pour l'intérieur. l'épisode 21. Eh hey Marcus, il y a des snipers partout. Des snipers de. De quoi est-ce que tu parles? Des types de Human Eye. Désolé, ils devaient pas être là. Dushan les a engagés, je suppose. Josh, pourquoi tu parles tout bas? Normalement, tu veux entrer? Eh, hey, j'entre pas là-dedans, moi. Bon, demain, les machines à voter vont être livrées au bureau de vote. On fait quoi du coup? On les rétro-ingénierise? Non, on va pas avoir assez de temps. Vu que leur virus est de niveau militaire, la mesure la plus prudente serait de toutes les détruire. Tu veux les détruire? Comment ça, tu veux les faire exploser? Le fort est une base militaire, il y a plein d'explosifs partout. Sans machine à voter, les élections seront repoussées. Ouais, on va révéler la magouille, et comme ça, les gens auront le temps de prendre une décision éclairée. Ok, ouais, je suis chaud, Josh. Et toi, t'es chaud? Ouais, ouais, je suis chaud. Alors, mais ma moto! C'est pas un peu extrême de faire sauter des machines de vote? Mais non! Comme disait Josh, on gagne du temps pour l'élection. C'est un service civique en fait. Service civique. Baiser. Bon, je pense qu'il faut monter là-dedans. On va se cacher. Je sens que ça va être compliqué. Tac, comme ça j'ai les accès. Ok, allez, on va commencer. Ah, ça fouche. Et voilà, c'est lui que je voulais éliminer.
Ouais, comment on va faire pour accéder à là? Parce que autrement, si je passe à mon robot. Bim. De une. Ah putain, y'a rien ici. Putain, y'a rien. Je peux pas ici. Ah, je peux encore démarrer. Derrière. Voilà, couillon. Thank you.
Là. Chier. Je compte. Wouhou! Wouhou! Ils ont des trucs comme ça carrément. Il est où? Putain, il s'est caché. Fils de pute. Faut juste que sous les machines. Merde, bah c'est pas possible ça. Mais je comprends pas parce que je les ai détruits et ils me disent que non. Putain. J'espère pas que ça a bugué.
Et il en reste plus qu'un qui est là-bas. Je cherche. Hop, dégage. Voilà, comme ça je suis tranquille. Mais comment ils veulent qu'on les détruise? C'est ça. Ah ah, il y en a encore un. Cool. Encore niqué. Hop là. Il rappelle des flics. Fait sonner le truc. Bon. On va attendre un peu. Oui, on va les niquer. Ça prend son tranquille. Un peu longue cette mission. J'ai un peu de mal. Avec deux. Sérieux. Je sais pas. Celle-là 2 sur 4. Sur 4, il doit rester une en haut. Il doit rester une qui est là, voilà. Voilà. Ça y est, terminé. Ouais, bah, tu devrais vite te barrer. Mais hop, on y go, bah, on se barre, t'inquiète pour. Hein. On se barre par la grande porte. Ah bah, c'est là. Et là, ma petite moto. Le méga, je vois. Hop là, fini. Je suis dehors. Super. Hé, on a fait une vidéo avec ce que t'as trouvé dans l'appart. Tu devrais la regarder. Citoyens, la société Invite a utilisé vos votes comme de vulgaires jouets.
En vous ciblant individuellement, Invite a manipulé votre ressenti pour vous faire apprécier leur pantin, Mark Truss. Mais DedSec a piraté Invite et modifié ses algorithmes. Les sondages se sont tout de suite inversés. Invite, prêt à tout pour faire élire Truss, a eu recours à sa propre forme de piratage. Voyez, la PDG d'Invite, Marie Catskill, en train de confier à Mark Truss en personne un virus destiné aux machines à voter. Les élections ont été repoussées. Citoyens, mettez ce temps à profit pour réfléchir. Ne vous laissez pas manipuler. DedSec vous encourage à ne pas voter sans conviction. DedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Oh yeah, ça m'en jette. Ah yes. Ah bah tiens, on va faire ça un peu aussi, les points de compétence. Les points de compétence, recherche. Ah, j'en ai 27. Alors, on tire contre la distance. Ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas. Je peux pas, je peux pas. C'est bizarre, je peux rien faire par contre. Je voulais te faire des missions de je sais pas quoi là. Putain, je suis obligé de faire des trucs, c'est horrible. Putain, pour les débloquer. Ok, bon bah... On a de très mauvaises nouvelles. Est-ce que tu peux venir? Qu'est-ce qui se passe? Marcus, tu passes en boucle aux infos. La CIA t'a mis dans sa liste des personnes les plus recherchées. Attends, quoi? Va falloir te faire oublier, amigo. Oslood. Allez, on y go. On va voir ça. Followers pensent que notre objectif c'était de coincer Truss. Mais c'est juste la cerise sur le gâteau. Les gens vont douter de leur propre opinion maintenant. Personne n'osera admettre qu'il s'est fait manipuler. Mais tous ceux qui voulaient voter pour Truss vont être obligés de se remettre en question. Et en plus, on a réussi à associer Boom et le CityOS à l'idée d'intrusion abusive. Ouais, un bon gros gâteau à la merde. Bien intrusif. Oh, t'es dégueu. Je pense qu'il est là. Ah.
Hacker Space? Bah, c'est elle qui le paye avec de l'argent emprunté. Toutes les affiches de Dexec, les flyers, c'est Sidara. Elle a même contribué à notre tout cet entrevoi des premiers Zero Days dans le City OS 2.0. Certains la surnomment Madame la Présidente, mais perso, je la vois plus comme une capitaine pirate. Elle peut te mener au trésor, mais si tu l'emmerdes, elle te balance au requin. J'ai eu une longue discussion avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passera quand tout sera fini ici? C'est quoi l'avenir pour le grand Raymond Kenny? Bah, j'imagine que Frouer et moi, on ira... Oh putain! Quoi? Merde! J'ai laissé Frouer dans le désert! C'est quoi un Frouer? Oh, ça, il y a pas mal de scientifiques qui se sont penchés sur cette question. En tout cas, t'en fais pas pour moi. Si un jour t'as besoin d'un coup de main, je serai dans les parages. Quoi, t'as un projet comme Batman? Non, mais peut-être que je vais en construire un. Donc on va voir. C'est d'être là-haut en fait. Ceci la fi... Non... Finale. Ce serait la finale... La... La pli d'Aid Sec. De toute façon... Ah ouais... Ok... Bon bah... Donc on va faire ça. Donc je pense qu'on va s'arrêter pour cet épisode là et on va reprendre un autre comme ça au moins. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors on va se laisser là comme ça. Ou on va faire une petite mission, tiens, dans les recherches là. Contrôle la licence. On s'ouvre un peu. Ça, ça peut être pas mal. Ça, ça peut être bien aussi. Alors, on va voir. On va faire une petite mission simple, comme ça. Donc après il faut faire quoi? Parce que du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces recherches? On a dit l'hélico. Non. Ça. Trouver un Zero Day OBD. D'enchaînateur. Putain, en plus c'est bizarre quoi. Un OBD2. C'est quoi ça?
Quelqu'un connaît un certain Prolapse? C'est vraiment son pseudo? Ouais. Il s'amuse à envoyer le squat chez les gens pendant leur streaming. Ça a l'air d'être un sacré connard. Ouais. Et c'est pas tout. Il se revendique de DeadSec. Ah non, je crois pas, non. Y a pas moyen. On n'aime pas les squatteurs, nous. C'est pas bon pour notre image. Attends, je vais voir si je peux le trouver. Eh ben, c'est à se demander s'il cherchait vraiment à se cacher. J'ai déjà son adresse. Je vais diffuser un communiqué de DeadSec pour le dénoncer. Et moi, je vais lui donner une leçon. Hey Retro, quoi de neuf? Je glande, tu vois. Et toi? Je pensais trouver mon cousin ici, mais il n'est pas venu. On a peut-être quelque chose pour DeadSec. Ah ouais? Vas-y, je t'écoute. Il achète sa bœuf auprès des anti-choux depuis des années. Et du coup, il est devenu pote avec certains. Il les a entendus parler d'un deal avec les bras de va pour... Je suis pas sûr que ce soit le délire de DeadSec, ça. Non, mais attends. D'après lui, c'est pas de la drogue cette fois-ci. C'est des êtres humains. Ah ouais, carrément. Bon, comment je fais pour en savoir plus? Je vais t'envoyer l'adresse de l'endroit où traînent les anti-choux boys. Elle est géniale. Je viens d'entendre parler d'une sorte de rendez-vous d'affaires entre les choux et les bras de va. Pourquoi tu veux mettre en colère deux organisations criminelles en même temps? Parce que les justiciers, c'est la classe. L'opinion publique est assez partagée en ce qui les concerne. Non mais pour le public de DeadSec, plus on embête les méchants et les criminels, plus on gagne de followers. C'est mathématique. Ça me paraît plutôt logique, ouais. Bon, je vais rendre visite aux choux et je vais voir ce que je peux trouver. Alors, c'est deux et tout, ça. Là, presque plus quartier de Chinatown, si. T'as pas retrouvé, toi? C'est pas une bonne idée. C'est où ça? Je sais pas, ça va être où. Donc c'est ça, c'est pas grave. T'aurais pas de la monnaie? Bon bah c'est pas grave, je peux trouver. Alors j'espère que ça va plus, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker ma page de commentaire si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Vous pouvez vous abonner, ça fera un très grand plaisir. Alors on se retrouvera pour l'épisode final. Alors... Et après, bah voilà, on aura fini ce Let's Play. J'espère que ça vous a plu. On se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, salut!